Bonjour à tous, j'avais envie de vous faire un petit direct, puisqu'il y avait quelque chose qui me turlupinait. Regardez ce paysage magnifique. Les pas que vous voyez là, ce sont les miens. En fait, il n'y a personne. Il n'y a personne. Silence. Nuages et je ne comprends pas et je me demande où sont les gens. C'est une vraie question. Coucou Dominique. C'est une vraie question. Je suis là toute seule dans un moment juste merveilleux, reprendre des à la nature. En plus, il neige. C'est merveilleux, c'est accessible à n'importe qui, ou presque. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. Et il n'y a personne. Mais vous êtes où? Que faites-vous? Il y a de la place pour tout le monde ici. Il y a de la place pour se ressourcer. Et les gens sont où? Qu'est-ce qu'ils font? Dans les villes entassées, ou je ne sais pas en fait. Je n'arrive pas à comprendre comment dans un endroit aussi merveilleux, écoutez, je suis toute seule, personne n'a eu l'idée de venir voir la neige sur le Mont Ventoux aujourd'hui, un dimanche. Alors, il est vrai que en bas, sur le Mont Sérin, avant d'attaquer la montée, il y a beaucoup de glace. C'est très glissant, il faut y aller avec des crampons. J'ai mes crampons, je ne sais pas si vous les voyez. Et ça glisse. C'est comme dans la vie. Dans la vie, c'est exactement pareil. On a plein de passages glissants où on risque de tomber, où ça fait peur. C'est tellement plus confortable d'être à la maison quand il ne fait pas beau. Parce que c'est vrai que là, si vous voyez qu'il y a des nuages autant que ça, vous doutez bien qu'en dessous, il pleut. Ça ne doit pas faire beau là. Pour tous les gens qui sont en dessous, qui sont restés en bas. Mais personne n'a eu dire, tiens, on va passer au-dessus des nuages. On va voir qu'est-ce qui se passe au-dessus des nuages. Donc, on reste en bas. Et puis on se dit, bah, on est à la maison, au chaud. On ne prend pas de risques. Et puis, on est dans sa zone de confort. On continue à faire la même chose tout le temps. Et puis, il y a d'autres personnes qui, en effet, il y a une plaque de glace en bas. Déjà, il faut y aller jusqu'en Mont Sérin. Donc il faut prendre la décision, et c'est ça en fait, c'est qu'il faut prendre la décision d'y aller. Et une fois que cette décision est prise, c'est d'y aller. Ok, j'ai pris la décision de. Et maintenant, quel outil, quel véhicule je vais prendre pour aller au bout, pour aller au bout de mes rêves? Parce que c'est ça en fait, l'idée. Quel véhicule je prends? Est-ce que le véhicule que j'ai aujourd'hui, est-ce que ce véhicule peut m'emmener jusqu'au bout de mes rêves? Est-ce que le véhicule que vous avez aujourd'hui, vous pensez qu'il peut vous emmener jusqu'au bout de vos rêves? Et quels sont vos rêves? Si oui, ok. Super, continuez comme ça. Pourquoi vous n'êtes pas arrivé encore à votre rêve? Et puis, à la deuxième solution, c'est de dire, je vais passer au-dessus des nuages. Je vais prendre la décision d'y aller. Et je vais avoir plein de difficultés sur ce parcours. Donc je suis arrivée en bas. Et là, une énorme plaque de glace. Donc évidemment, il faut prévoir. Donc je me suis équipée avec mes crampons. Évidemment, je ne suis pas partie sans mes crampons. Et puis si, malheureusement, j'étais arrivée en bas et je n'avais pas eu mes crampons, j'ai eu le droit de faire demi-tour pour aller en acheter. Ça ne veut pas dire que j'abandonne. Ça veut dire que je fais demi-tour pour aller chercher mes crampons. En tout cas, l'outil dont j'ai besoin pour traverser cette plaque de glace et ces difficultés de la vie. Et je vais la traverser, ces difficultés. Et puis là, en route, j'ai eu un petit souci, j'ai eu un mal de ventre, mais alors incroyable. J'ai ralenti, je suis allée tout doucement. J'étais pliée en deux, là, tout à l'heure. Je savais pas ce qui m'arrivait. J'avais vraiment mal, je vous promets que j'avais vraiment mal.
Et je me suis installée, je suis assise, je me dis qu'est-ce que je fais? Je continue pas. Mais qu'est-ce que... Mais j'avais vraiment mal. Et puis je me suis mise à respirer et à reprendre des forces. Mon cœur s'est accéléré, évidemment, ça fait un moment que je ne suis pas montée, parce qu'il y a de l'altitude quand même. Et je me suis dit, waouh, j'ai le cœur qui est en train de s'emballer. Et puis il n'y a personne après, hein, aussi. Hein. Je venais juste de traverser la plaque de verglas quand ça m'est arrivé. Donc c'était une grosse difficulté quand même, parce que j'y suis allée trop doucement, j'aurais pu tomber à n'importe quel moment. Il fallait que j'enfile mes crampons en route. Bref, il fallait que je regarde où est-ce que je vais marcher. Je n'ai toujours pas changé ma destination. Hein. C'est juste comment je fais pour emprunter cette route et ce mal de ventre. Donc je me suis arrêtée. J'ai fait une pause. Je n'ai pas abandonné. J'ai fait une pause. Bon, pas trop longtemps quand même, hein, parce qu'après on s'endort. Surtout dans la neige, il fait froid. Donc on s'endort. Ah, il y a quelqu'un. Oh, c'est cool. On est deux sur le Mont Ventoux. Et là, j'ai eu la récompense. Il y a eu des oiseaux qui me sont passés au-dessus de la tête. Et il y a eu un soleil magique, merveilleux. Un superbe soleil. C'était la récompense de la décision d'y aller. C'était ma récompense d'avoir traversé cette difficulté dans la glace. C'était ma récompense parce que j'avais mal au ventre, mais je n'ai pas voulu abandonner. Je me suis relevée et j'ai continué. Et là, le soleil et les oiseaux. Je me dis, mais waouh! Merci pour cette récompense. Et j'ai continué à marcher, et j'ai continué à sourire, et j'allais de mieux en mieux. Parce que c'est comme la vie, et la vie elle est exactement pareille, et elle est exactement dans les mêmes difficultés. Et après j'ai continué à avancer, et je me suis dit waouh, mais c'est exactement comme ça la vie en fait finalement. Il y a les nuages, on passe au-dessus, il y a la glace, il glisse, on continue, et puis là on est dans la neige, et on avance. Et puis un coup il fait beau, tout à l'heure j'avais du soleil, un coup il y a des nuages, un coup il y a du vent parce que là il commence à se lever, et je vais avoir de nouveau du soleil certainement tout à l'heure, et dans la vie c'est exactement pareil. Alors quand vous avez un rêve, vous avez un objectif, vous allez avoir plein de difficultés, j'en ai eu une la semaine dernière d'ailleurs, mais le but c'est pas que vous abandonniez, il faut jamais abandonner, il faut toujours aller en direction de ses rêves. Et que ce soit moi ou que la personne qui est en face de moi, parce que nous sommes deux sur mon Ventoux. Bonjour. Si ça va où? Ça va sur le Mont Sérin. C'est la route qui est barrée en bas. C'est ça. Merci. En prie. Donc, lui, il a démarré de l'autre côté apparemment et il redescend de ce côté-là. Moi, je vais faire l'inverse. Donc voilà, c'était juste pour partager ça avec vous, parce que j'arrivais pas à comprendre pourquoi j'étais seule, ou presque, là, du coup. Et qu'en effet, il y avait des difficultés, et que dans l'activité que je fais, bah, c'est pareil. Alors, il y a des fois, c'est des hauts, c'est ça les entrepreneurs. Hein. Descends, un coup c'est plus compliqué, mais par contre, ne jamais abandonner. Et que quand on arrive au bout, il y a toujours une récompense. Quand on traverse le plus difficile, eh ben, la récompense, elle est à la hauteur. La récompense, elle est à la même amplitude que la difficulté que nous avons eue. Alors, si on traverse ces difficultés, eh bien, on va avoir que du beau après. Et puis après, ça sera encore de nouveau plus compliqué. Et puis, voilà, enfin, on le sait, en fait. Et parfois, on oublie. La preuve, je suis toute seule quasiment sur le Mont Ventoux, alors que c'est juste magique, regardez. Regardez comme c'est beau. Je vais continuer à monter, finalement. Je pensais que j'allais m'arrêter là, mais non, je vais continuer, parce que c'est trop beau. Voilà, et il continue de neiger. Voilà, je partage encore un petit peu avec vous. Ciao, Gorane. Kadi malo teško na srce, malo sama da budem. I da podelim sa vama svima o malo. Ovaj snake lep beli. Da. Coucou tout le monde. Coucou Marina. Ciao. Voilà, je laisse tous. Désolée pour les larmes de la fin, mais...
Voilà, il y a un proche qui est parti cette semaine et il a fallu venir évacuer. Et j'ai pensé que la neige était une super idée pour pouvoir reprendre des forces. Et voilà. Parce que c'est beau. Parce que finalement, plus je vais monter et plus je vais lui faire un petit coup. Voilà. Goran Demosa, comme Sve Više Gore Idem. Sve Više Gore Idem, il mange da. Il y a sans ça da Više Oblaci. Znači, samo da se javim ovako gore i ja je da budem gore sa Batadejana, da mu se javim od gore. Voilà. Je vous fais tous un gros gros bisou et surtout n'abandonnez jamais parce que parfois c'est compliqué. Mais alors, quelle récompense quand on arrive là-haut. Voilà, je vous dis tout, coucou et salut tout le monde. Bye bye.